c'est toujours cool, hein. Je suis le premier vainqueur du Wind Tour et bah, j'étais régulier sur les Wind Tour à peu près toute la saison, surtout au début, mais ouais, là c'était plus compliqué. Enfin, globalement, la fin de saison est très compliquée, mais ouais, je suis très content de gagner. Et là, c'était vraiment avec plaisir que j'ai découvert le Wind Tour. On a des conditions de jeu exceptionnelles. Au-delà du golf, c'est surtout sur l'orga, quoi. On a des satellites tours, sans les nommer, qui font leur job, mais vous faites vraiment d'une façon géniale, ça donne envie, il y a un partage, il y a des amateurs qui puissent voir les pros jouer, on voit des enseignants, on voit des pros du tour, c'est vraiment 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 super. Avec deux cartes de moins 7, ils sont à égalité dans la catégorie joueur, membre d'un circuit. À l'honneur à présent, Robin Roussel. C'était cool, c'était top, l'organisation est incroyable. Honnêtement, un grand merci à Stanislas Caturla pour tout ce qu'il fait et tous les bénévoles. Le parcours était top, il y a une super ambiance. Et bah, c'est toujours bien de gagner un tournoi, c'est mon premier cette année, donc je peux dire que j'ai gagné un tournoi. C'est une super initiative, surtout en ce moment avec ce qui s'est passé avec le Covid, on n'avait pas beaucoup de tournois. Et puis voilà, de faire ça en France, j'aime bien la formule du pay and play. Où justement là tu payes 150 € et puis après tu partages le prize money. Mais non, super initiative de Stanislas Caturla et de toute son équipe. La dernière fois il y avait un win tour, il y en avait deux de suite juste avant un enchaînement de tournoi. Donc ça permet aussi de se tester, de jouer, de se comparer aux autres et puis de jouer un petit peu sous pression parce que c'est compliqué quand on est à la maison de faire des parties en situation parcours. Donc non, super initiative et ça sera à refaire.